vous assure, docteur. Il était entièrement fait en glace et en neige. Cette cheville a l'air douloureuse. Nous devrions faire des radios. À quoi bon? Je suis hors concours. Ça ne changera rien du tout. Voulez-vous cesser de me suivre? J'ai suffisamment de problèmes avec l'abandon des grands champions. Mes sponsors sont en train de me lâcher. Je vous en prie, écoutez, le plan de Fred est formidable. Voilà, à mon avis, la créature a pour cible les surfeurs professionnels. Il faut donc introduire un faux surfeur dans la compétition qui serve d'appât. Je crois que cette histoire de créature des neiges est un gros canular. Et cessez d'être pendu à mes bases. Bon, si vous voulez bien m'excuser... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ce milliardaire autoritaire. Je ne comprends pas, Fred. Et avec ta jambe dans le plâtre, qui va servir d'appât? Ouais, qui? Non, c'est hors de question. Je t'en prie, Sammy, ce n'est pas comme si tu devais vraiment surfer. Tu dois seulement faire semblant et attendre que cette créature te poursuive. Tiens, les voilà. À toi de jouer. Alors, c'est vous le super crack qui vient de s'inscrire? On a entendu parler de vous. Mais... Oh, c'est moi, l'invincible Saminator. Donc vous pensez être invincible, Saminator? Ah! Fais aucun doute, Saminator a un style peu orthodoxe. Je me suis encore en vie. Merci Scooby, tu nous as sauvé la vie. J'ai trouvé sur internet un article disant que Wilkinson liquidait des parts de son empire pour payer ses créanciers. Vera, tu es trop malade pour réfléchir. Tu vas te reposer et rester au lit. Si tu ne peux pas dormir, toutes les chambres disposent d'un tas de vieux films sur le surf des neiges en DVD. Ah, oh, quelle chance. Viens voir une seconde. Il y a un faisceau lumineux qui danse sur le tremplin tout en haut. Où sont mes jumelles infrarouges? Oh, elles sont très pratiques. Hé, hey, jette un œil. C'est le drôle de type de l'autre soir. Je me demande ce qu'il trafique en haut de la piste d'élan. Je vais aller le découvrir. Eh bien, tu ne vas nulle part, monsieur. Ce sont les ordres du médecin. Cette fois, Daphné opère en solo. Non, pas question. C'est beaucoup trop dangereux pour une... Pour qui? Pour une fille? Mais je ne cours aucun danger. Ouais. Je vais quand même te regarder d'ici et je t'appellerai sur ton portable si je vois un truc. Mais surtout, sois prudente. Oh, mon petit Freddy, ne l'ai-je pas toujours été? Allô? Est-ce que c'est ça, être prudente? Oh, Fred, détends-toi. Il n'y a rien. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Daphné, sauve-toi de là! La créature s'approche! Elle s'approche! Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien compris. Oh, oh. Je viens de comprendre le message.